Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis, ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Mon chien situé entre commune Bédéyen et Mombad de Police. C'est une zone qui baille problème pour circulation piéton, machine ou soit moto. Pour porter amélioration, technicien TPTC démarre à travail bétonnage dans mon chien et puis mobiliser plusieurs matériels dans la zone là, côté où il y a l'ouvrir en bon parti dans mon là. Ministre Nader Jassé était présent samedi 26 décembre là, pour regarder comment le travail a avancé. Plus de 140 km et n'a pas réhabilité en béton hydraulique et d'autres. Mon chien, il n'est pas facile pour moi de monter là et n'importe qui ferait en bloqué, c'est accident. Donc, nous venons là pour nous résoudre le problème. Non? Et le problème a commencé déjà. Nous avons 5 à 6 mois, nous avons fini. Yo. Et nous avons travaillé la journée dans la nuit. Et il faut nous donner un appui total à la présidence qui permet de travailler là. Donc, nous croyons que le Nord-Ouest est isolé. Je dis, nous prenons en considération et nous travaillons là-dedans. Dans le cadre de travail, ça y est, 1,3 km déjà élargi dans l'espace ça. Côté même des machines pas de cas croisé. Et puis, il y a 1,5 km qui déjà bétonné dans mon chien, d'après ingénieur chef chantier et ingénieur topographe qui t'a expliqué l'importance du travail. Le béton a coulé, j'en ai là, nous casser en pile, carrière en pile, walk, on va nous arriver là. Et bon, nous sommes satisfaits, nous avons fait un très bon travail. Et puis, nous avons fait le maximum d'efforts pour nous avancer plus. Prends nous bien, c'est que il y avait une route de 7 mètres de large au moins qui doit être faite en béton. Ouais. Contrairement à la route de 4 mètres qui existait là. Ensuite, côté couple, pas suffisant, pas de rayon suffisant, on a pu vouer en haut pour nous circuler à l'aise. Parce que de côté, pendant la vie de couple, machine est tombée, écrasée, même motocyclette tombée là-bas au fois. Fonds entretien routier engagé 350 millions de gouttes pour permettre travail ça réalisé dans mon chien avec plusieurs communes dans le bas nord-ouest. D'après directeur général Ferla, Grégoire Jean-Louis, qui parle sous possibilité pour doubler comme ça, une façon pour faire plus de travail fait dans le département. Je dis à revenir pour nous capable d'essayer de garder avec le coordinateur là. Besoin immédiat que le gain et qui j'en ai capable d'intervenir pour nous combler. Mais au-delà de tout ça, nous connaissons que faire, c'est une institution de financement liée. Donc tout le bailleur de fonds qui a aidé à Haïti. Nous avons une enveloppe que nous proposons au ministre dès le départ pour l'équité de 350 millions de gouttes. Mais avec évolution, avec envergure du projet à prendre, nous prévoyons que le budget ça l'a doublé. Donc, nous avons dit que faire disposer une enveloppe partielle de 350 millions de gouttes et avec le temps, n'a pas avancé. La population a montré qu'elle est contente pour travailler ça qui démarre dans mon chien. Elle a expliqué le problème qu'elle a conjoint dans mon ça. Le plus bel travail, le président a fait pour nous. Parce que route mon chien, c'est une route qui était apte à mon empile. Mais quand il y a avec aspect de travail qu'elle a fait là, nous ne pouvons pas trouver un nouveau fait encore. Je suis content, je dis vive le président Jovenel. Bon travail. Travail ça est venu quelques jours après visite président de la République là, Jovenel Moïse, dans mon chien, 6 décembre passé. Je dis en quoi de la terre, ça c'est en grosso modo presque fini. Certainement, nous ne pouvons pas faire rue qui est à l'intérieur quoi de la terre, là, que nous allons faire bientôt. Mais nous montrons mon qui modèle et pour Prince, nous voulons offrir. Et toutes les belles plantes ça est après là, il y a le tout. Dans la zone Oswald Durand, bon côté Rex Théâtre. Et non seulement nous faisons ça, nous allons éclairer tout le champ de masse. Nous allons garantir que nous prenons plaisir sur le champ de masse. Champ de masse, quel que soit ça, il n'y a pas de monde qui permet de faire rien. C'est dans le cadre de ça. Nous offrons un environnement sain et au niveau de l'infrastructure, nous offrons un environnement sain. Au niveau de sécurité sur le champ de masse. Nous pas parlé à discuter avec toute poste de l'audio. Pendant que là, avant que là, nous en discussion avec le directeur départemental de l'Ouest, commandant Mina, et nous tous ensemble, nous sommes d'accord
pour que en dans quadrilatère ça sécurité up to date et non pour allumer toute porte au prince toute champ de masse pour nous et comme nous son travail qui fait la présidence et EDH nous même en dans ministère de la République ou un travail fait là et pour mettre projecteur pour allumer un série de lampes donc pour nous capables de gagner notre environnement nous montrer mon un modèle de Port-au-Prince type et puis pour nous élargir sur tout Port-au-Prince. Certainement avant nous battre café puisque Port-au-Prince est LED et pour un Port-au-Prince LED passer dans le quadrilatère là l'envie vide continuer dans la rue de la Réunion ou après son autre bagaille totalement donc nous là pour nous changer bagaille et nous changer nous recharger technicien et nous arriver entrer dans la base monsieur et selon policiers qui étaient dans le théâtre opération hein, yo ouais en pile ossement non cercueil dans une sorte de péristyle gagné 15 arrestations qui fait que nous connaissons déjà pour le moment il y a scrimé la police judiciaire a cuisiné pour que nous connaissons degré d'implication chaque grain de monde dans 15 gens qui ont interpellé gagné dans le réseau 400 marozois. Il y a trois chefs gang qui entendent. Nous connaissons déjà Lambert Sanjou. Non, c'est Joseph Wilson. Il y a Ronald, ainsi connu, et Azoukeng, ainsi connu. Nous avons partagé avec la population, encore une fois, photos et à vidéo recherche que la direction centrale de la police judiciaire mettait pour que tout le monde qui est capable, ouais, côté M. Saoui, localisé, pas hésiter, mettez la police au courant. Wilson Joseph, Lambert Sanjou, infraction reprochée, assassinat, tentative d'assassinat, enlèvement, viol, vol de véhicule, détournement de camions de marchandises. À l'anti-précision, dans la vidéo cherchant, c'est vol de véhicule de préférence, c'est pas viol. Alors nous avons deux photos sous deux angles. Ça, nous croyons qu'il est assez lisible. Et plusieurs mondes capables rapidement d'identifier. Ça, c'est une autre encore photo, Lambert Sanjou. Avec deuxième angle. Il y a Ronald, ainsi connu. Et troisième nom, c'est Azoukeng, ainsi connu. Au niveau commissariat Pétionville, gagné trois plaques qui perdues. C'est trois plaques de véhicules de police. Numéro plaque là, on a demandé tout le monde pour attention, population. 1-00-848. Plaque police. Deuxième nom, c'est 1-00-921. Plaque police. Et troisième nom, 1-01-038. Il y a un inspecteur divisionnaire, Delfort Ferré, jeune garçon, 46 ans, qui était fait partie 7e promotion PNH là, côté que les pères du la ville, au Cap Haïtien, nos localités qui est Petitance, Cafou, La Chaux. Inspecteur divisionnaire, ça a été affecté dans le commissariat au Cap. C'est les mêmes tout qui étaient responsables BI, brigade d'intervention dans le commissariat. Inspecteur divisionnaire lanté à bord véhiculé. Côté que bandit attaqué balle, plusieurs balles. Côté que, après constat, juge 6 projectiles. Dans des côtés vitales en col. Mettez sous les ailes une équipe alimentaire qui déjà distribuée dans plusieurs localités dans la région métropolitaine. Font assistance économique et sociale FAES distribuer plusieurs plats chauds par les citoyens. Quelques leaders communautaires saluent des marches là pendant que souhaité action ça y touche plus monde. C'est un peu plus de temps coordination nationale de l'histoire qui est l'initiative là, l'UNPFE, et actuellement là, pour nous, c'est de placer manger à plonger. Comme on a dit, nous, ça fait du
continuer parce que tout le monde a posé. Moi même moi je souhaite que ça continue parce que c'est pas tout le monde qui a pu tout manger pour le monde. Je veux dire, si vous avez voulu manger ça comme vous pensez, c'est une distribution saillée réalisée dans le cadre du programme Corrie Peuple là, qui s'est une parmi diverses autres administrations Moïse et le gouvernement Jout l'a mettre sous pied pour aider ces naïfs qui n'ont plus besoin. Ils ont chanté et dansé mercredi 24 décembre dans la cour collège Canada haïtien. C'était l'occasion pour les gens de fêter. Directeur canado-haïtien Augustin Nelson dit le principal objectif activité ça, c'est éduquer les jeunes sous affaires solidarité. Nous distribuons des cadeaux, nous bayons des livres, nous bayons un petit enveloppe pour être capable d'aller boire sous plat. Donc son façon pour nous dire élèves, pour nous dire jeunes ça, nous sommes solidaires avec eux et nous pouvons apprendre les jeunes qui sont avec nous tout, que nous pouvons vivre bien ensemble. C'est la solidarité et que c'est solidarité qui a permis que nous construisions un pays dans la paix. Noël c'est la paix, Noël c'est l'amour, Noël c'est la joie. Pas rien dans le pays qui suscite la joie. Nous n'avons pas qu'à quitter tout bas et tomber, il faut susciter l'espérance. C'est pour ça que nous réunissons les jeunes là pour nous susciter l'espérance dans l'espoir que la vie est capable de meilleur pour nous. Responsable Fondation Ali La Rivière, Wendy Adrien, salue l'initiative ça. Qui d'après lui va permettre à tout le monde qui est dans une situation difficile connaître Noël l'amour. De concert avec le Collège Canada haïtien, nous avons décidé choréo pour l'activité qu'on peut faire jeudi. Donc, je suis très content, comme d'habitude, moi avec tout le monde. Donc, Jean-Frère Lansodien, nous avons bail 100 cadeaux. Nous avons goûté également, si nous recevons un livre, nous recevons un enveloppe. Moi, je pense que nous satisfaits, nous contents. Nous avons bénéficié, nous remercions responsable pour l'initiative. Ça. Non, je dis à c'est une grande joie, moi, parce que je dis à un jour de sagesse, de tout bon bagage. Et je dis à très content. Il y a environ une centaine de personnes orphelins qui recevront cadeau ou l'occasion de fête. Donc, l'activité à c'est Fondation Via Mo, Vision pour Haïti et pour le monde qui toujours fait ça chaque année dans des régions différentes. Donc l'année ça, nous avons visé Route Frère pour nous être capable de faire distribution de jeux et recevoir des parents ensemble avec Timounio. Via Mo en collaboration ensemble avec l'église, mission Église de Dieu donc, qui disposait pour te faire activité ça ensemble avec un PDG Maxo Joseph. Nous alimenter, nous pas de recevoir Timounio seulement. Nous devons penser avec Grand Mounio en même temps pour nous recevoir Timounio. Puisque chaque année, nous toujours partager avec Timounio, avec Grand Mounio. Objectif ça, c'est montrer Timounio l'amour que Fondation Biamo toujours gagne. Pour nous vendre l'amour pour nous, nous sommes capables de remettre l'autre. C'est dans l'amour, dans l'union partage, chaque année nous toujours faire ça. Donc comme vous pouvez remarquer, il y a plusieurs jeux différents jouets, il y a machines, il y a poupées, il y a tout et tout, il y a des jeux capables de faire intelligence au travail, tout ça c'est en combinaison de jouets qui ensemble. Concours ça réunit 15 groupes locaux permettent de découvrir nouveaux talents comme une Margot Gain dans le domaine musical. C'est comme ça, première édition concours à réaliser. C'est 5 groupes qui arrivent dans la phase finale là. Richard Sanon, sorti champion, Anderson Laguerre et Pascal Lyon remporté deuxième et troisième prix. Premier prix à 75 000 gouttes, deuxième prix à 50 000 gouttes et puis troisième prix à 30 000 gouttes. Professeur Dieudonné Leguisson, c'est principal organisateur activité ça. Son possibilité nous mettre talent en valeur. Qu'il y a plus de bagages que nous avons fait toujours. Si nous choisissons de mettre tête ensemble, il y
Félicitations à l'équipe comité 200G production, l'autre état qui doit protéger et servir tout haïtien. Nous l'état qui doit faire la jeunesse opportunité pour servir le pays. Professeur de l'Union promet pour payer l'université, pour gagner un concours. Et puis supporter toute l'autre activité qu'on s'est fait dans la commune Marigot. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour être capable de jouer nous. Son babi zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée, si c'est matin, bon matinée.